Chers téléspectateurs, amoureux du livre et de la lecture, bienvenue sur votre nouvelle émission Au chevet des lettres, une émission qui donne la parole aux écrivains, aux chercheurs et bien sûr aux hommes de culture. C'est une émission qui fait la promotion du livre et de la culture de l'excellence. Et pour ce premier numéro, nous sommes dans la bibliothèque du lycée Maman Alassane Haïdara en compagnie du club de lecture de ce même lycée. Nous avons comme invité notre professeur, M. Sanchefi Alpha, avec qui nous allons échanger sur son livre Tombouctou, la vie de tous les jours à Tombouctou, suivi des Mayas. Et bien sûr, nous allons nous inspirer de son parcours. Sanchefi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est avec plaisir. C'est un honneur pour nous de vous accueillir pour ce premier numéro de cette initiative Au chevet des lettres. Parce que pour qui connaît l'homme, ce n'est pas facile de le présenter en tant que tel. Notre auteur est né à Tombouctou le 18 janvier 1957. Sanchefi Alpha est un écrivain, poète, fervent défenseur de la culture et du patrimoine de Tombouctou. C'en est aussi professeur principal d'enseignement secondaire général, spécialité lettres, délégué territorial des médiateurs de la République et directeur de la bibliothèque des manuscrits à Lamtouni, Imam Alpha Salmou de Tombouctou. Amoureux de la littérature, c'en est aussi une bibliothèque qui regorge la passionnante histoire de la cité mystérieuse. Auteur du poème emblématique Dodo, que le public a d'abord connu sur les ondes de la radio Al-Farouk grâce à l'excellente déclamation de son ami et jeune frère Ismaël Diadi Haïdara. Tombouctou, la vie de tous les jours, suivi des Mayas et le journal d'un Tombouctidier anime, j'allais dire, la biographie de celui qui en nomme le Victor Hugo du XXIe siècle. Donc, il faut dire que cette présentation a été faite par notre chroniqueur Abakaï Bolossissé. Alors, la vie de tous les jours à Tombouctou. Avec la petite expérience que j'ai, je suis né et grandi ici. Quand j'ai lu les livres, je me suis dit waouh, je suis à Tombouctou, mais il y a énormément de choses qui m'ont échappé, qui, grâce à la lecture, j'ai pu le découvrir. Maintenant, vous-même, vous avez dit, il n'est pas bien séant de parler de soi, mais on a fait une brève présentation de vous. Est-ce qu'il y a une partie de votre parcours que vous voulez partager avec nous? Bon, peut-être l'expérience de chercheur, parce que le chercheur, c'est une activité continue et continuelle. J'ai l'habitude de dire, pour penser les gens, que je suis un petit chercheur qui n'a encore rien trouvé. Parce que, comme le dit un ministre français, les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc cette expérience de chercheur, je voudrais bien partager avec vous, parce que j'ai été chercheur depuis que j'étais enseignant, parce que j'ai enseigné dans ce lycée pendant 9 ans. J'étais lycée franco-arabe de Tombouctou. J'étais déjà passionné par la recherche, surtout au niveau des bibliothèques, au niveau de petites enquêtes. Et j'ai eu la chance, après le lycée, d'aller comme chercheur au centre Ahmed Baba. C'était le CEDRAB, qui est devenu IHRI, l'Institut des hautes études de recherche islamique Ahmed Baba. À l'époque, c'était le centre. Nous avons eu la chance d'être... Enfin, nos épaules écrasées par ce côté de chercheur, parce que c'est une prétention, hein, c'est une prétention de dire qu'on est chercheur, donc on essaie de faire justement. Donc cette expérience, elle est très riche, parce que depuis que j'ai connu les manuscrits, je ne cesse de les découvrir. Parce que
La difficulté, c'est quoi? C'est que les manuscrits sont en arabe. Je n'ai pas une grande culture arabe. J'ai fait une petite formation arabe jusqu'au lycée. Et j'ai pu me débrouiller, je lis, j'écris couramment. Mais je comprends certaines choses, mais ça me passionne. Donc, parce que quand on cherche, c'est justement avec l'espoir de ne pas trouver. Parce que quand on trouve, on arrête. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, quand on lit les livres, à travers la présentation que Ismaël Diaye a fait de vous, votre présentation dans les livres, à travers aussi les histoires que vous racontez, il y a le poète persan Omar Khayyam qui vous a beaucoup inspiré. Comment est venue cette inspiration-là, cette découverte? Oui, en fait, il faut dire que c'est une longue histoire. Parce que quand on était au lycée, il y a les années 74, alors il y a un de nos aînés, le maire de Tombouctou de l'époque, on l'appelle bien l'érudit maire parce qu'il avait une grande bibliothèque. Alors dans sa bibliothèque, il y a un de nos aînés et amis, Blaye Ben Omar, qui réside aujourd'hui au Maroc, entre le Maroc et le Maroc, il a découvert un petit livre. Le livre, c'était les Roubaïyat de Khayyam. Donc c'était des quatrains. Donc on avait du plaisir à les lire. Donc déjà on a commencé à les copier sur des feuillets. C'était pour nous comme un fruit défendu. Parce que ça parlait des choses qui nous étaient interdites. Donc c'était pour nous un fruit défendu. Et on a continué avec cette passion. Et quand on a un peu grandi, nous nous sommes retrouvés avec la cantatrice d'Ambokchen et Sholemir, dont les morceaux chantent exactement la même chose. Jure et licite. Et nous avons déjà retrouvé cela avant avec Charles Baudelaire, avec les paradis artificiels. Donc depuis, Ismaël Diaye a eu à faire beaucoup de recherches sur Omar Khayyam. Et à travers le monde, il y a beaucoup de clubs Omar Khayyam. Et il y a même un club Omar Khayyam de Tombouctou, qui est né à Bamako juste avant l'occupation, et qui continue encore à exister. Donc c'est comme ça que nous avons vécu cette expérience et nous avons trouvé vraiment des similitudes entre la vie du Tombouctien tout court, du Tombouctien qui s'aime, parce que le Tombouctien c'est pas celui qui aime la bonne chair, c'est celui qui aime les beaux habits et surtout celui qui n'aime pas se battre. Donc, d'aucuns disent que ce sont des Hammad al-Finta, mais nous avons magnifié la Hammad al-Fintitude, parce qu'il faut l'appeler ainsi, parce que le Tombouctien, comme le dit un de nos aînés, le Tombouctien, il veut être un héros, mais jamais un martyr. Parce que pour lui, le héros, c'est l'imbécile qui s'est fait tuer sur le champ de bataille, qu'on célèbre. Mais ça, c'est le martyr. Mais le héros, c'est celui qui a échappé et qui vient raconter ce qui s'est passé. Voilà. Alors, la vie de tous les jours à Tombouctou, on sait que Tombouctou, ça passionne. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de mythes et les gens veulent savoir d'où est-ce que Tombouctou tire cette renommée-là. En fait, la renommée de Tombouctou, elle est tirée de son essence même. Parce que Tombouctou, on sait de par l'histoire que quand il y avait l'université de Tombouctou au XVIe siècle, il n'y avait pas d'université en Europe. L'Europe était encore en obscurantisme. Et le Tombouctien de l'époque, c'était vraiment l'honnête homme que les Français ont célébré encore jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Et ce Tombouctien existait. Il était là, c'est un homme d'esprit, et c'est un homme de culture, un homme de lecture. La preuve, c'est qu'il y a des milliers de manuscrits ici à Tombouctou, qui sont produits pour la plupart des Tombouctiens. Parce que nulle part au monde, même dans les pays arabes, on ne trouve rassemblé en un seul lieu autant de manuscrits. Rien que pendant l'occupation, 400 000 manuscrits ont été exfiltrés et qui se trouvent aujourd'hui à Bamako, qui reviendront bientôt. Alors, en tant que chercheur, vous avez beaucoup travaillé sur les manuscrits et maintenant, le défi qui est là, vous l'avez dit vous-même au départ, vous n'avez pas une très grande culture arabe. Mais la jeune génération aussi qui est là, comment elle doit faire pour s'intéresser à ces manuscrits? Comment elle doit faire pour que le manuscrit puisse être, on puisse avoir une relève
de la jeune intelligence tomboxienne pour continuer à perpétuer cet héritage-là. Voilà, donc je crois que ça, c'est un défi qui est compris par l'ONG Savama du CI et qui est en train de sensibiliser les autorités en charge, parce que c'est une décision politique. Et pas plus tard qu'hier, j'ai suivi une rencontre qui a eu lieu au moment où nous étions, où la Savama rencontrait des ambassadeurs, des chefs traditionnels, des chefs religieux, catholiques aussi bien que protestants et musulmans, pour justement le défi de ces manuscrits. Ah, donc le plus important, c'est de pouvoir accéder par la culture arabe. Et alors là, il y a de l'espoir parce que les écoles arabes, les lycées arabophones, il y en a. Les universités aussi. Il y a déjà une université arabe ici. Il y a une autre qui est sur le point d'ouvrir. Ah, donc c'est sur le seul défi, hein, c'est par là. Parce que quand on n'a pas accès au texte par soi-même, c'est toujours la traîtrise. Parce qu'on dit que traduire, c'est toujours traître. Donc le défi est là, il est compris par la Savama. On espère que la jeunesse comprenne cela et pour pouvoir vraiment découvrir ces trésors. Parce que le monde entier aujourd'hui est en train de s'impatienter pour découvrir le contenu de ces manuscrits. Donc très peu a été fait. Parce qu'il y a eu la collecte, la conservation, la numérisation, la conservation physique. Mais ils sont en train de commencer, bien que ce soit de façon timide, à commencer la traduction. Et il y a eu d'ailleurs, lors de la semaine organisée par la Savama avec le ministère du Tourisme, de la Culture, il y a eu, comment dirais-je, beaucoup de conférences sur des manuscrits, 8 manuscrits, qui ont été traduits en français. Et ça doit être le départ d'une grande opération qui va sauver ce patrimoine. Très bien, on l'espère bien. Merci. Alors, quand on lit les livres, on se rend compte qu'il y a un personnage qui apparaît beaucoup, Khalil. Et Khalil, il y a beaucoup de petites histoires autour. Il y a une histoire qui m'a beaucoup passionné, qui m'a fait beaucoup rire, que je vais partager avec nos téléspectateurs. C'est à la page 73, Khalil et le jeune. Un jour, Khalil demanda à son fils, « Va à travers la ville et ramène-moi 3 imbéciles. » Le fils s'en alla donc et revint avec 2 hommes. « Voici les hommes que tu m'as demandé d'amener, père. » Je t'écoute donc. « Oui, celui-ci, je l'ai trouvé en pleine assemblée, en train de dormir, quand tout le monde causait. C'est un imbécile. Celui-là, au sein d'un groupe, contredisait tout le monde sans répit. C'est un imbécile. Et le troisième, c'est le père qui pose la question. Le troisième, c'est toi, papa, qui pense que tu es plus intelligent que tout le monde. Tu es un imbécile. Répondit l'enfant avec un calme olympien. Ok? Donc quand j'ai lu ça, ça m'a fait beaucoup rire. Alors pourquoi il traite son père d'imbécile à ce niveau? Moi en fait, c'est de la sagesse. Parce que, comme je l'ai dit, quand un homme pense qu'il est intelligent, plus intelligent que tout le monde, vraiment, c'est un imbécile. Ouais. Parce que l'on dit que, même dans la religion musulmane, les traditions du prophète, est-ce qu'un homme continue à s'instruire, à apprendre, jusqu'au jour où il pense qu'il connaît. Là, il ne connaît plus rien. Et c'est ça. Et Khalil, il faut dire qu'en fait, Khalil, c'est un personnage emblématique qui est utilisé par beaucoup de civilisations, beaucoup de cultures. Mais il s'agit de Abraham. Parce que l'Abraham, on appelle Khalil parce que quand il y a eu l'épisode avec Nimrod, quand Ibrahim a été jeté dans le feu, alors Dieu pour le sauver a dit « Yannar kun bardano salaman » au feu soit froid et clément sur Abraham. Et les soins disent Bardan wa Salaman. Donc Bardan wa Salaman. On est prêt. Et voilà des choses. Alors donc, c'est pour ça que quand il y a eu cela, quand Abraham était au-dessus du feu, je parle sous le contrôle des exégètes, alors
l'ange Gabriel est venu dire, mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, je ne veux rien. Et c'est là où Dieu l'a directé, il est mon ami. Donc c'est Khalil, Ibrahim Khalilullah. À Tombouctou, nous savons qu'il y a beaucoup de liens emblématiques, des liens mythiques. Et quand on voit la couverture même du livre, on voit Gorbenia, qui fait partie aussi de ces liens emblématiques de Tombouctou. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce lien-là? Ben, effectivement, Gorbenia, il faut dire que c'est une place très importante, donc, qui a pris le nom d'un Ndetché sauvage, Balanites, bicentenaire. Le Ndetché est tombé juste le 1er mai 2011. Donc il avait près de 200 ans. Et ce Ndetché, on attachait des esclaves. C'était un lieu transitoire. Avant de les amener à ce qu'on appelle le Borodebe, c'est le marché aux esclaves, qui se trouve derrière l'emplacement du commissariat actuel. Ah, donc, cette place est devenue un point de lecture du Saint-Coran. Il y a beaucoup de Tomokchins qui ont lu le Coran là-bas, une grande école coranique. Pendant les nuits de Ramadan, on fait les lectures surrogatoires. Et le fameux Tanaré, c'est là où ça aboutit. Tanaré, parce qu'en fait, quand Al-Mansour a été chassé, il a promis de revenir. Alors, on lui a dit, bon, la première personne que tu vas rencontrer, tu dois la décapiter. Il se trouve que la première personne, c'était une de ses esclaves, en train de vivre du tam-tam. Alors, donc, ne pouvant se décider à tuer sa propre esclave, il a décidé du tam-tam. Donc, depuis lors, l'après-midi du baptême, il y a un de ses descendants qui monte un cheval et essaie, comme on dirait, de percer le tam-tam. Donc, c'est souvenu. Et le Gorbenia est donc devenu une place d'école de panégyristes en langue sonnée, ce qu'on appelle le Rasoul Seyida. Il y a des femmes qui font école là-bas. Donc, lecture du Coran, Nafila, etc. Donc, c'est une place bénie qui est là comme un symbole. Parce qu'il y a certains qui ne veulent pas qu'on parle d'esclavage, mais c'est l'histoire. Il y a eu l'esclavage, des esclaves. Il y a un de nos pères qui nous a dit qu'il était enfant, il a vu des esclaves attachés, comme on dirait, sur ce table. Alors donc, cette place, elle peut même, comme beaucoup d'autres places de Tombouctou, être classée au patrimoine national et pourquoi pas au patrimoine mondial, parce qu'il y a quand même des éléments d'histoire, il y a des éléments de culture, il y a des témoignages qui sont là. Très bien. J'espère que le message est bien passé. On souhaite quand même que cette place soit inscrite dans le patrimoine national au moins du Mali. Oui. Et nous avons beaucoup d'autres lieux emblématiques, beaucoup d'autres places. Et au-delà aussi, Tombouctou a des personnages mythiques. Parmi ces personnages, le plus connu, c'est Al-Farouk. Il y en a d'autres, j'espère. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a Fandjour Ahmar. Parce que vous voyez, au niveau de la mosquée Djingerebe, il y a une porte qui ne s'ouvre jamais, une porte sans issue. Nous, quand on était jeunes, c'était encore c'était une nette qui fermait cette ouverture. Mais maintenant, il y a une porte qui ne s'ouvre pas, dans la cour, l'arrière-cour, la grande cour, quand on fait à gauche. Donc on a dit que c'est là où Fandjour Ahmar s'est échappé de la mosquée. Parce que Fandjour Ahmar, on dit que c'était un magicien hors pair qui était là à Tombouctou. Donc des fois, en se promenant, il voit un âne, il dit, mais quoi, c'est quoi ça? Mais lève-toi, va-t'en chez vous, mais c'est pas. L'âne se lève, par la volonté de Dieu, bien sûr. On raconte même qu'il y a un magicien hindou qui était venu pour le tester. Donc quand il est venu, on lui a dit qu'il est parti à la charge, il n'était pas là. Il a attendu. Ils ont servi le repas. Quand ils ont servi le repas, le magicien lui dit, mais ça, là, moi, je ne mange pas de la viande rouge fraîche. Il a tapé le plat, c'est rempli de viande. Et il y a le fils de Fandjour, il a dit, mais ça c'est de la viande de chien. Mais j'ai dit, comment? Chaque morceau que tu prends, le morceau se met à boire. Ah, le machin dit, bon, moi je vais partir. La femme dit, mais il ne faut pas partir, il vient. Non, 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 c'est parce qu'il vient que moi je vais partir. Parce que c'est son fils qui fait ça. Lui là, je ne vais pas l'attendre. Donc Fandjour avait comme ami l'imam de la grande mosquée. Et un jour, il a trouvé l'imam en train de prêcher. Un camarade d'âge, il a toujours entendu le prêcher. Il dit, mais écoutez, mais il ne faut pas écouter ce menteur-là. Mais c'était un menteur. Il dit, c'est un menteur, il ne faut pas l'écouter. L'imam était très frustré, même que son camarade d'enfance.
il ne peut rien dire. C'est lui qui peut tout te dire. Donc il a dit, bon, Fandio, vraiment, demain, si tout ce que je raconte est mensonge, demain que je te retrouve dans ma cour, Fandio n'y a pas de problème, le pari est tenu. Donc la nuit, l'imam a dit à sa famille, alors mettez, dites le grand nom sur tout, sur toutes les ustensiles. Bismillah ibrahim. Ils ont craché ça sur tous les ustensiles. Lui, il a craché au ciel, sur la terre. Il dit bon. Alors, quand il était venu, il va vers le haut, il n'y en a pas, sur le rideau de fer. Vers en bas, rideau de fer. Tous les ustensiles, il était désespéré, il rentre dans la cuisine. Il y avait une marmite. Il rentre dans cette marmite. Et l'imam vient le trouver. Il dit, mais voici. L'imam était intrigué, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous avez oublié? Il dit, non, on n'a pas oublié. Il est rentré dans la cuisine, il a trouvé un canari. Un canari plein de sang. Il dit, bon, celle-là, vous avez oublié de mettre le grand nom sur ce canari. C'est par là qu'il est rentré. Ouais. Et le lendemain, à la surprise de tout le monde, Fandio voit un ami qui l'a dit, mais Fandio, on y va? C'est vendredi? Il dit, mais non, on y va. Ils ont été se laver, ils sont venus. Il dit, mais quand je viens, on va à la mosquée. Il dit, non, je ne peux pas rentrer en mosquée. Non, il faut venir. Il rentre à la mosquée. Alors, traumatisé, les gens étaient vraiment dépassés. Femme à la mosquée. Alors, quand les gens étaient en train de se crêper, mais quand ils ont commencé la prière, il a levé la main pour dire Allah Akbar et ça s'est transformé en cri d'hyène. Et lui, il est devenu une hyène. Il est sorti par une porte. Donc, cette porte-là qu'ils ont condamnée. Depuis, c'est resté dans la légende. Donc, Fandio, il est devenu une hyène, depuis personne ne l'a plus vu. Quelle expérience vous pouvez partager avec nous des activités de la rentrée littéraire ici à Tombouctou? Mais en fait, c'était une très bonne chose quand ça a été décentralisé. Et ça a permis, quand même, depuis un certain temps, de faire partager des expériences, de voir d'autres écrivains, d'échanger avec eux. Et je me rappelle, depuis avant les événements qui ont créé ces perturbations, il y a eu, comme on l'a dit, cette décentralisation. Et ça nous a permis de rencontrer de très grands écrivains ici et d'échanger avec eux. Et je crois que c'est une expérience enrichissante. Parce qu'on ne peut pas parler d'actualité littéraire sans parler de Tombouctou. Parce que Tombouctou, qu'on le veut ou pas, demeure une capitale littéraire. Et en ce sens, Tombouctou, bien que la jeunesse aujourd'hui s'est un peu tourné le dos, mais aujourd'hui, il y a avec beaucoup d'espoir, on voit que les jeunes sont en train de s'intéresser, d'écrire, de produire, avec surtout la participation d'associations très dynamiques dans ce sens. Alors, comme je l'ai dit dans le début, lors de ma présentation, nous sommes au lycée Maman Alassane Haïdara avec le club de lecture du lycée. Donc c'est un club qui est composé de jeunes lecteurs, de jeunes lectrices et qui ont aussi des questions à poser à notre invité. Donc nous allons donner la parole à trois membres du club pour poser leurs questions à l'auteur. On commence par qui? J'ai un panneau de facteurs chez lycée. Je fais la 11e année, c'est-à-dire sciences économiques et sociales. Je suis la présidente du club où je voulais être du lycée Maman Alassane Haïdara. Ma question est la suivante. L'histoire de Hamadou Alfinta, à travers ça, on rencontre que les jeunes de Tombouctou ont peur de mener de révolution. Est-ce que vous pouvez nous revenir en quelques mots sur l'origine de ce livre? Hamadou Alfinta, effectivement. C'est un concept, parce qu'en fait, souvent, les Tombouctiens se battent contre le concept parce qu'on dit que ce sont des poltrons, ce sont des gens qui aiment trop la paix, qui ne veulent pas se battre. Mais ceux qui utilisent beaucoup plus la notion, ce sont nos cousins Bambadje, les mangeurs de Haïla, comme on dit. Et Hamadou Alfinta, en fait, c'est celui qui ne montre que la bravoure pour le Alfinta, c'est-à-dire la galette de Dieu. Pour la nourriture. Mais en fait, c'est une notion controversée. Effectivement, le Tombouctien a grandi dans un climat de peur. Moi, en tant que petit, on m'a éduqué dans la peur.
Comment dire que quand il pleut, il ne faut jamais regarder le ciel parce que tu vas voir l'ange. Quand il y a le tonnerre, c'est l'ange qui parle, il ne faut pas écouter. On dit que quand tu vas au fleuve la nuit, il y a le haricot qui va te saisir. Il y a tellement de... Et le jeune Tamokshan de l'époque, notre génération, on avait peur d'entendre le bambara. Parce que la langue bambara était liée à la répression. Les policiers étaient bambara, les militaires étaient bambara, les gardes étaient bambara. De sorte que le premier mot qu'on apprend à Tombouctou, c'est Ayakoumbe. C'est le premier mot bambara qu'on apprend. Donc pour en revenir à la question, effectivement, cela a créé une espèce de retenue, une espèce de rétention. Quand une attention, il ne faut pas te battre, c'est les animaux qui se battent, il ne faut pas. Et surtout, ça repose sur la religion aussi. Mais la réalité est peut-être autre chose, parce qu'en fait, Tombouctou, on peut se battre sans violence. Ahmed Baba nous a montré le plus grand exemple. C'était un résistant à la pénétration coloniale. Il a organisé la résistance intellectuelle en 1593 contre l'envahisseur marocain. Alors là, c'était vraiment... Mais ces derniers temps, comme ça colle à la peau, même quand le Tombouctien il se bat, alors c'est un homme de finte. Sinon, je prends l'exemple de l'occupation. Pendant l'occupation, mais les jeunes de Tombouctou ont marché avant ceux de dos, mais ils sont morts de finte. Les femmes de Tombouctou ont marché avant les femmes de Gao. Elles ont terrassé des juristes ici, giflés. Mais on reste morts de finte. Donc c'est une notion qui est là. Et jusqu'à un certain temps, il y a comme on dit les jeunes, Tombouctou réclame ses droits, et ils ont dit que le Hamar el Finta est mort. Il n'y a plus de Hamar el Finta, nous prenons notre destin en main. Nous allons passer à la question suivante. Bonjour à tous, je m'appelle Alvanzia Tumoro, je fais la classe 11e lettre. Bon, ma question est que vous avez parlé du choix de la femme à Tombouctou. Est-ce que c'est toujours les mêmes critères d'écrire les livres qui sont d'actualité? Bon, là. Je crois que la question convient sa réponse. Parce que, en fait, les mentalités ont changé. Les critères de choix aussi changent. Parce que, dans le Tombouctou que nous avons connu, d'abord, quand un jeune homme demande la main d'une jeune femme, on demande est-ce qu'il a un métier? Est-ce qu'il sait travailler de ses mains? Mais aujourd'hui, est-ce qu'il a une maison? Est-ce qu'il a une voiture? Est-ce qu'il a un compte en banque? Donc, il est clair que les critères ont changé. Parce que ce ne sont plus les mêmes notions. Avant, le père, c'est lui qui choisit la femme. Il fait une enquête et il choisit. Des fois aussi, on favorise le choix. Parce que je sais que vous avez entendu parler de Kalemé. C'est cet artère, surtout vers le Farandit. Kalemé, c'est du Banak, ça veut dire petite maison. Kalemé. Donc, c'est en cet endroit. Les jeunes gens et les jeunes filles se rencontraient les trois après-midi des fêtes. Ramadan et Tabaski. Et là, c'est les rencontres. D'ailleurs. Voilà. Timidement. Ouais. Et là, alors, c'est là que souvent, un jeune homme peut repérer une jeune fille. Bon, ils peuvent avoir des échanges. Et les parents seront informés. Ils vont faire commander des enquêtes et tout ça. Mais aujourd'hui, il est clair que on insiste. Alimatou, mais c'est pas Alimatou, c'est ça. Au fait que aujourd'hui, je dis même que dans la plupart des cas, ce sont les jeunes filles qui choisissent les hommes. Donc, il faut qu'il faut quels sont les critères du choix pour l'homme. Exactement. Voilà. Alors, nous passerons à la question suivante. Bonjour tout le monde. Je me nomme Bachir Traoré, élève du lycée à la Saint-Égard. Je fais la classe 11e lettre. Ma question est la suivante. Quel conseil pouvez-vous nous donner en tant que jeune pour être des volontaires? Ok, merci. Bon. Ça, c'est le cours de lecture qui veut le conseil. Oui. En fait, c'est peut-être de la prétention de donner des conseils. Moi, je dis que je suis encore en train d'apprendre à lire. Je suis encore en train d'apprendre. Donc, le seul conseil, c'est de lire et continuer à lire. Parce que je vais évoquer. Et un de mon ami, mon petit frère d'enfance, Ismaël Diadjéhégara, l'écrivain, chercheur. Donc il y a un jeune chercheur qui
il a abordé, il a dit, bon, il a posé une question, il dit, mais il faut voir dans le Tariq al-Soudan. Le Tariq al-Soudan, j'ai tout le génie, rien vu. Il dit, bon, vraiment, moi, je n'ai même pas fini un seul de ces tarifs-là. Si toi, tu as, je n'ai pas de conseil à te donner. Donc, le seul conseil, c'est de lire et de continuer à lire, de persévérer. Voilà. C'est en lisant qu'on devient lecteur. Bien, bien sûr. Okay. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça, c'est sûr. La vie de tous les jours est suivie des Mayas. Vous pouvez nous parler de ça, Maya? Bon, en fait, je crois que c'est une chose que j'ai l'occasion, parce que c'est un problème de transcription. Il devait y avoir deux Y. C'est Maya. Maya. Bon, c'est le nom. Je le prends d'une sœur défunte. Elle est décédée quand j'avais 30 ans. Elle est décédée quand j'avais 30 ans, en 1987. Donc, c'est Maya. Donc, parce que quand on dit Maya, on a l'impression que c'est le Maya. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est ça. Donc, la vie de tous les jours est suivie d'un poème que j'ai consacré à cette sœur que j'ai perdue quand j'avais 30 ans. Et aujourd'hui, j'ai 65 ans. Donc, ça exprime vraiment toute la douleur. Ça exprime non seulement, pas la douleur d'un frère, mais la douleur de tous les frères, de toutes les sœurs. C'est un symbole, c'est devenu un symbole parce que c'était une sœur qui a été arrachée à notre affection très jeune. On était très jeune, Et là, donc, je l'ai écrit depuis cette époque, mais ça a été publié tout dernièrement. C'est quand même un bel hommage. Merci. Et aussi, il y a le poème qui nous a beaucoup bercé, Dodo. Dodo cadençant l'année de carême. Oui. Alors, c'est un poème très profond. Il y a notre chroniqueur qui dit que c'est un poème mythique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce poème, de sa conception, comment c'est venu? Bon, vous savez, en fait, Dodo, c'est étrange, hein? Parce que quand j'ai quitté le lycée, et je suis parti au CEDRAP, donc après 10 ans au CEDRAP, j'ai été invité à partir au tourisme. Directeur général de tourisme. Donc, je devais aller faire un stage à Bamako. Donc, lors de ce stage, une nuit, j'étais vraiment très nostalgique. J'ai pris un bébé, j'ai pris une feuille, et puis, Dodo est né. C'est né comme ça. Donc, ça dormit un peu. Et quand je suis revenu, j'ai pris mon poste comme directeur général de tourisme. Et je devais célébrer la journée nationale du tourisme. Alors j'avais comme invité Ismaël Diallo Haïdara, qui est bibliothécaire, chercheur, écrivain. Il y avait les guides touristiques, il y avait aussi des artisans. Donc je les ai invités à la radio Al Faro pour animer par mon neveu Manasque. Donc j'ai eu l'idée. J'ai dit, bon, vraiment, comme c'est le patrimoine immatériel, et j'ai demandé à mon ami Ismaël de le dire. Donc après l'émission, Ismaël a lu. Et ça a été enregistré. Et Manasque s'est donné le devoir de passer et repasser. Et c'est ainsi que Dodo est parti. Sinon, Dodo aurait pu dormir dans les tiroirs. Donc ça a été lancé par la radio Al Faro avant qu'on dirige sa publication. En fait, j'essaie d'y évoquer tout ce qui est comme chant et danse de Tombouctou. Toutes les expressions. On se met à danse traditionnelle, les barbarba, ala. Il y a certaines danses que j'ai décrites et d'autres que je me contente d'évoquer parce qu'il y en a qui ont vraiment complètement disparu. Et c'est l'occasion de dire que j'ai sous presse mon dernier livre, Chant et danse de Tombouctou. Justement, on allait en venir. En venir, c'est ça. Sur les projets littéraires qui sont en cours. Voilà. Donc, comme on l'a déjà entamé, voilà. Alors, vous pouvez nous parler de votre projet, sinon de vos projets littéraires qui sont en cours. Voilà, donc, comme je dis, c'est cette Chant et danse de Tombouctou qui est sous presse. Ça a même été tiré, hein. c'est pas encore sorti, une nouvelle édition. Donc là, il y a non seulement le circuit touristique de Tombouctou, qui est essentiellement composé de ce qu'on appelle le circuit de l'Ankra, ou le circuit religieux, c'est-à-dire du circuit du culte. Il y a les écoles coraniques, les AUR, les médersas, les mosquées,
les bibliothèques de manuscrits. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a à Tombouctou près d'une trentaine de bibliothèques de manuscrits privées. Donc, il y a tout ça. Et le circuit qui est là, donc, qui est peut-être ignoré. Donc, on parle du circuit touristique. J'ai fait ça avec Kader Maman, secrétaire exécutif de la Savama DCI. Et j'essaie de reprendre les champs aidants de Tombouctou. Alors là, beaucoup plus en profondeur que dans Dodo, où c'est cité de façon laconique. Donc il y a le champ des mineurs, celui de Sadou, le Hala, le Barbarba, le Dimba, et même la chanson, les chants du Ramadan, Dioridé, Tawib, Dodo. Il y a aussi le chant des circoncis. Votre dernier mot. Bon, le dernier mot, il est toujours difficile de dire le dernier mot. Simplement, je tiens à remercier ce plateau, à apporter tous mes encouragements à cette jeune émission, ce qui est porteuse d'espoir, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus pour faire connaître, pour faire voir, pour faire entendre que les technologies de l'information et de la communication. Évidemment, on pense que les documents sont très importants, nous sommes dans une bibliothèque, mais c'est des documents froids, parce que de plus en plus, les gens sont trop pressés pour lire. Et même pour le net, quand ça dépasse 5 lignes, tu vas pas trouver beaucoup de lecteurs. Mais quand les images, quand c'est supporté par des images, ça a beaucoup plus de chances de porter. Mesdames et messieurs, amis du livre, chers téléspectateurs de la FIA TV, nous sommes arrivés au terme de notre émission au chevet des lettres. Nous étions en compagnie de M. Sanchirfi Alpha, ici au lycée Maman Alassane Haïdara de Tombouctou, avec les clubs de lecture de ce lycée. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois, à la même heure, sur la même chaîne. Au revoir.